Alors Platinum Power est une société qui a été créée en 2012. Donc on l'a créée avec des partenaires américains. Donc on l'a cofondée ensemble. C'est une société qui s'est spécialisée depuis le début dans le développement des projets énergie renouvelable au Maroc et en Afrique. On a eu une année un peu difficile. Platinum Power a fait l'objet d'une guerre médiatique de la part d'un des actionnaires, qui d'ailleurs a été révoqué par. Donc c'est un actionnaire américain, qui a été révoqué par l'Assemblée générale. Donc il a été révoqué en tant qu'administrateur. Il y a d'ailleurs une poursuite judiciaire des actionnaires de Platinum Power contre cet actionnaire pour abus de biens sociaux et d'escroquerie. Donc voilà. Aujourd'hui, on a eu une année difficile puisque la gouvernance était bloquée. Fort heureusement, on a une nouvelle gouvernance qui est complètement renouvelée depuis 3 mois. Donc là, on peut dire qu'on entame Platinum Power 2.0 depuis quelques semaines. On a 3 programmes principaux. On a un programme au Maroc, un programme en Côte d'Ivoire et un programme au Cameroun. Alors le programme au Maroc, c'est une capacité globale de 160 MW avec un investissement qui dépasse les 3 milliards de dirhams. Il faut savoir qu'on a déjà dépensé 300 millions de dirhams dans le développement de ces projets en termes d'études, de faisabilité, d'équipe bien sûr. Voilà, donc c'est notre phase de développement qui a été extrêmement capitalistique. Maintenant, concernant nos projets ivoiriens et nos projets camerounais, donc j'ai eu l'honneur de signer devant Sa Majesté en 2015 un projet de protocole d'accord avec le ministère de l'énergie ivoirien, donc durant la visite du président Ouattara à Marrakech. Donc j'ai signé un programme hydroélectrique d'une capacité de 300 MW qui dépasse les 7 milliards de dirhams. Alors aujourd'hui, après 4 ans, on a finalisé le développement, on a finalisé les études. On a même créé une filiale avec un bureau local. On est dans les starting blocks. Sur le Cameroun, c'est notre projet, on va dire, le plus important en termes de capacité. C'est le projet Makai, qu'on a signé en 2014 aussi. C'est un projet de 365 MW, projet de 10 milliards de dirhams.